les gens, alors essayez de passer un petit peu de temps entre les épisodes. Tout à fait normal, puisque j'étais en fait parti dans le laser chercher un petit peu de minerai, naturellement, parce qu'il me faut beaucoup de fer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, du coup, le fer, il est là, il est présent, il est magnifique, il est splendide. Et du coup, bah, pour l'instant, j'ai fait cuire justement de la netherrack et netherbrick, tout simplement pour faire ce qu'il faut. Waouh, j'ai eu deux achievements, j'ai pas compris. Donc. Pourquoi j'ai fait ça? C'est tout simplement bah, parce que le fer, déjà, il m'en faut pour ce que je veux faire, hein, qui est de 10C2, qui est le générateur, parce que j'ai besoin de générateur, j'ai besoin de faire tout ça. Notamment, j'ai besoin de fer, et de fer, et de fer. Donc, du coup, bah, il faut bien le faire. Cependant, sachant que je veux qu'il y en ait plus du... Tac, je vais faire ça. Voilà. Je préfère casser. Ah d'ailleurs, tiens, je peux même le combler directement parce que j'irai pas tout de suite dans le trou. Bah, je veux en fait le multiplier. Alors, au lieu de le faire fondre et autres, et sachant que je n'ai pas assez de fer pour faire un, par exemple un SAG-1000, qui pourrait être même très bien, hein, il faut dire ce qu'il est. Le fer dans un SAG-1000, déjà dans un blast furnace, c'est pas mal. Grinder, la sweater, sac bill. Ça me donne du nickel, ça me donne du tin et ça me donne de l'iron. Donc, en même temps, c'est pas mal dans un 5000. Cependant, pour l'instant, je ne veux l'avoir que. Bah, j'en ai pas beaucoup. Faut dire ce qui est. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, il y a ce qu'on appelle un mode qui est base métal. Géolistique. Ok, tant bien. Ah oui, le temps de réaction du machin, c'est magnifique. Tac, 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 tac. Oh, pourquoi tu le poses? Tout simplement, tu tapes dessus et t'obtiens de petites poudres. C'est comme un hammer quand ceux qui connaissent Ex Nihilo, c'est la même chose. Bon, par contre, ça donne beaucoup de dégâts. Hein. 11, hein, c'est assez puissant. C'est une attaque toutes les X secondes. Donc voilà. Mais voilà, pour l'instant, ça me donne 12. 12 petites graines de ce qu'il faut en iron. Bien sûr, il m'en faut beaucoup plus. Donc du coup, ce que je fais, tac, tac, tac. Et du coup, je tape. Hop là. Je tape, je tape, je tape. Hein. Bien sûr, c'est pour avoir tout ça. Bien sûr, je pourrais faire ceci, c'est nettement mieux. Voilà. En même temps, je le pète et en même temps, je le casse. Donc du coup, je suis plutôt tranquille. Voilà. Et je récupère tout, j'en ai 52. Alors, sur les 26 que j'ai fondus, j'en ai déjà 52. Hein? Aussi bien en haut qu'en bas. Donc du coup, je suis gagnant. Je suis un sacré gagnant, là, d'ailleurs. Donc du coup, bah, je fais cuire ça tranquillement, je fous ça là. Le hammer, pour l'instant, je vais le foutre là. Pourquoi? Parce que je peux. Alors, je pense que je peux m'en servir également pour ça. Oui, ça me donne deux poudres. Cependant, pour le refaire en mode lingot, c'est pas possible. Invalide. Très bien. Le mec, il m'a dit complètement invalide. Donc, ça veut dire, va te faire foutre. Donc, du coup, bah, je peux pas le faire sur le diamant. Un peu dommage, mais bon, tant pis. Donc, bah, c'est en train de cuire tranquillement. On va se faire le fameux générateur. On va se faire ça. Il me faut des tin, il me faut des iron. Sachant que l'iron, en fait, je veux le faire en forme 10 et 2. Donc, il me faut le forge hammer. C'est pour ça qu'il me fallait 5 de fer. Les slabs, je les prends. Pourquoi? Pour les remettre dedans. Voilà. Deux comme ça. Hop. Voilà, bon, ça a 80 d'utilisation pour l'instant, c'est pas très grave. Ah, c'est ça, d'accord, les stuff évolués. Ok, très bien. IC2. Et il me demande de faire. Bon, il y a ça, on connaît ça aussi. Mais bon, il me demande de faire des. Oups! Des cables. Bah oui, je sais qu'il me faut des cables. Et pour l'instant, il me faut du fer. Donc, du coup. Hop, et la torche là, je vais la virer, je vais la foutre là par contre. Voilà. 1, 2, 3, 4.
Voilà, j'en ai déjà 4. J'ai d'autres fers ici. Me faut encore du fer. Pourquoi? Parce que je vais me refaire une pioche pour lui. Voilà, qu'il puisse continuer à miner. Qui est plutôt pas mal, hein, il faut dire ce qui est. Ça permet de faire pas mal de choses. C'est plutôt tranquille. Hop. Il fait nuit, on s'en fout. On a le fer là, tac. Il me faudrait. Ouais, j'ai largement ce qu'il faut. Hein. Ouais, putain, je vais tout doubler. Déjà que t'en as 52 de base, tu le fais cuire, t'en as le double, donc c'est-à-dire 104. Et quand tu le fais au hammer, t'en as 208. Donc t'as 208 fers d'avance. Ce qui est quand même pas rien. Donc ça, c'est déjà un très 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 bon choix. Donc vous voyez, on découvre des nouvelles choses avec d'autres modes, donc ça, c'est bien. Alors, du coup. Ah, je vais le refoutre là. Le marteau, on l'a déjà. Tac, pouf, voilà. Il nous faudrait du tin. On a du copper. On a le tin là. Est-ce que j'ai d'autres tins? Ouais, j'ai celui-ci. Lead, silver, gold, mercury. Je suis pas sûr si le mercury fait quelque chose en fait. Je sais pas. M'en fous. De toute façon, moi. Je veux mon tin. Donc l'avantage, c'est que hop, on peut se faire cuire tout ce qu'on veut. Voilà. Maintenant, on va se faire un petit cutter. Pouf, pouf, pouf. Voilà. Un autre cutter. On fait un lingot qu'on met en plate. Cette plate là, on l'enlève et on fait un copper cable. Voilà. On a déjà un bon petit truc qui est quand même le copper cable. Maintenant, ceci étant fait, on va devoir passer à l'énergie. Donc il me faut des tin casing. Donc on prend ça. 1, 2, 3, 4. Et ça nous fait des tin casing. Voilà. Et il me faut un autre lingot. Pourquoi? Parce que j'ai besoin d'une autre plate qu'on fait en mode cable. Voilà. Ensuite, on va chercher notre rubber qu'on a fait, que j'ai extrait de l'arbre qui est juste dehors. M'en faut un ici, il m'en faut un autre là. Voilà, de toute façon, j'ai ce qu'il faut. Me faut de la redstone. Pouf. On se fait comme ceci, on se fait comme ça, et là. Oh, on a une RE batterie. Oh, c'est trop swag. Ensuite, pour ceci, il me faut le fameux fucking générateur. Iron bar, iron furnace. Ok. Donc, iron furnace, c'est tout simplement un four. Qu'on met ça comme ça. Pouf, on a l'iron. Et ensuite, il nous faut la casing entière. Donc, c'est toujours du fer. 1, 2. Voilà. Avant de le faire, je vais quand même vérifier. Ah non, tu voyais, j'avais failli faire des conneries en plus. Iron, RE, générateur. Voilà, nous avons notre premier truc qui est le générateur. Oh, c'est beau, hein? Eh ben ouais. Alors, je vais le foutre là. Oh, générateur, qu'est-ce que c'est beau? Eh ben, le générateur, en fait, nous permet tout simplement que à partir du charcoal, on va le foutre même comme ça. Tuc, pouf. On va faire le début de charcoal. Pouf, ça nous génère des EU. Il a un stock actuellement de 4 kilos EU. What? J'ai entendu poser. Moi, c'est bizarre. Waouh, il y a des belles choses. Et lui, ah, il va automatiquement là-dedans. Faudrait que je. Voilà, je disable pour qu'en fait lui il vide directement dès que ça mine tranquillou ici. Le tin, je le mets directement en case. Le fer également, parce que ça va chier des bulles. Donc là nous sommes à fond, on est tranquille ici. Maintenant, la chose qui peut être importante, c'est
C'est d'avoir au moins un petit stockage d'énergie. Parce que ce stockage d'énergie, on va. Le générateur, c'est bien. Mais avoir une petite bad box, qui est quand même pas rien. La bad box, ça stocke déjà 40 000 EU. Donc ce qui est quand même un petit peu plus avantageux. Il faut juste 3 RE batteries plus un câble. Plus du bois. Bon, c'est pas trop grave. Il faut tout ça. On en a déjà un. Hop. Un, deux. Voilà. Les tin casing, nous en refaut. 1, 2, 3, 4. Il m'en faut 2. Voilà. Ah bah je les avais là. 1, 2, 3, 4. Touc, 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 touc. 1, 2. Voilà. 3 RE batterie. Il me faut du bois. Une RE, 2 RE, 3 RE. Un câble. Et ceci. Voilà. Une bad box. La bad box, c'est tout simple, ça permet d'avoir de l'énergie. Alors, je fais ça pourquoi? Tout simplement parce qu'on va mettre en sorte que la bad box se dirige vers le bas. Voilà. Le générateur va transmettre tout simplement l'énergie sur tout simplement la bad box. Ah, bah oui, il faut bien, hein? Il faut bien. Maintenant, choisir un câble entre maximum 32 UU par tick et 128, sachant que les deux en fait bouffent 0,20 UU par bloc. C'est-à-dire que si j'en pose un là, voilà. Au bout du 5, il bouffe 1 UU. Bon, bah, ça va, 1 UU c'est rien. Donc du coup c'est pratique. Par contre j'ai des creepers autour de moi, j'ai peur. J'ai beaucoup de creepers autour de moi, j'aime pas du tout. Je maîtrise bien du verre, histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dans le coin. Voilà. Histoire de voir un petit peu ce qu'il y a dans le coin, c'est plutôt pas mal. Ça évite les surprises quand tu sors. Parce qu'il est juste au-dessus, quoi. Il est juste au-dessus, j'ai pas envie de péter le truc. Donc on a les copper cables. On va en refaire un. Voilà. Pourquoi? Pour le foutre là. Attention, en fonction du câble, pouvez-vous faire électrocuter? Oui, c'est cool à la fois, mais pas cool d'autre. Alors, il y avait une. Par un moment, le câble là, c'était bien de les isoler en fait. Il y a une version de IC2, je ne sais plus laquelle. C'est que si votre câble n'est pas isolé et vous marchez dessus, vous prenez un courant en fonction de la puissance émise. Donc du coup, ça peut vous faire très mal comme pas du tout mal. Ça dépend vraiment du truc en fait. Voilà. Dégage. On met. On reste avec ta. J'aime pas les meubles qui sont là. Ah, ok, très bien. Bonjour. Voilà, crève. Merci les abeilles. Même si vous m'avez mis un cœur, je m'en fous. Donc, on va récupérer notre petit rubber. Hop, voilà. L'autre, il est là. Alors, par contre, je ne sais jamais où est-ce qu'il part, lui. Rubber, t'es parti où? Alors, l'autre, il est parti par là-bas. Ah, je sais pas où qu'il est parti. Putain, je vais à peine le mettre là, il est déjà parti. Ah, il est là-bas. Le vilain petit coquin. Donc du coup, bah, j'en ai 8 de plus. Alors, on pourrait le faire via l'extracteur, hein, ce qui est quand même plutôt bien. L'extracteur, pourquoi? Parce qu'il permet d'en avoir 3. L'extracteur, c'est tout simplement des tri-trap, un circuit, une machine casing.
Le circuit, c'est simplement des circuits, des circuits, des circuits. Donc du coup, je vais faire cuire tout ça. Hop, on a du fer. Du charbon, du charbon. Hop, on va le foutre là-dedans. C'est cool, c'est magnifique. Là-dedans, je vais éviter de mettre ça. Je vais mettre plutôt du charcoal. Voilà. Le charbon, il restera là. Ça, pour l'instant. Voilà, le coal ira là. Et pas besoin. Voilà. Input seulement, YOLO. Du coup. Du coup, attendez 2 petites secondes. Donc, alors, hop, j'ai besoin d'un peu de bois. Pourquoi pas, ça me faut les tree traps. 1, 2, 3. Et 4. Voilà, je mets 4 là, je suis content. Il me faut une casing entière et il me faut maintenant un circuit. Pour ça, j'ai besoin de mes rubber, j'ai besoin de plaques de copper. Il faut les couper pour avoir un circuit. J'ai pas fini, tac. Voilà, magnifique. M'en faut 6. Pouf, voilà. Il me faut normalement c'est 2 comme ça, une comme ça et un circuit entier. Ou pas. Une plaque. Ouais, c'est bon, c'est mieux comme ça. Un circuit. Le casing. Les tree traps. Juste comme ça. Ou l'inverse. Un extractor. Et cet extractor, qu'est-ce qu'il fait? Eh bah tout simplement, vous mettez votre rubber et ça fait le taf. Et également, j'ai découvert que ça le fait. Ah, ça le fait pas du tout. Merde, c'est avec quel bois que ça le fait? Je sais qu'il y a un bois en fait qui permet de d'avoir le 5000 alloy extractor. Oak. Extractor de Tech Reborn. Ah, l'extractor de Tech Reborn. Ok, et là c'est l'extracteur 10 et 2, hein, qui n'est pas du tout la même. Oh. Attendez, je vais quand même vérifier l'extracteur. Parce qu'en fait, c'est bien beau de l'avoir fait ça, mais si on peut faire celui-ci. Déjà, c'est pas avec le même type de planche. Les surcons, on s'en fout. Machine block, a dû faire comme ça cuit. Attendez, on va tester un truc. Il me faudrait encore du rubber. Et vas-y. Voilà. Vous voyez, hein, il a traversé tout l'océan pour être là. Oh, il n'y a rien d'autre? Oh, mais s'il te plaît, donne-moi-en un autre, s'il te plaît. Eh, dis, non? Tant pis, de toute façon on a un extracteur, donc au lieu de faire une boule, bah ça en fera 3. Alors par contre, on n'entend toujours plus les blocs. Ouais. Oh, si on entend légèrement. Bon, en tout cas, on a des bouboules. Oh, Tech Reborn. Ouais, c'est bien ça, hein. Ouais, bah c'est cool. Je vais quand même me faire l'extracteur parce que si ça me permet, grâce à ceci, d'avoir un. Comment on appelle ça? Ouh, Matter Fabricator. Ouh. De pouvoir mettre du bois n'importe lequel et obtenir du rubber dessus. Personnellement, je suis plutôt content. Ouais, c'est ça, tout type de bois en fait. On obtient ce bois-là, Tech Reborn, ah, Tech Reborn. Ouais, je sais pas, attends, je vais peut-être me le giver quand même, parce que...
Alors oui. Ah. Ah bah bien. Deux U parties qui y veut pas. Ah. Ah, c'est pas cool ça. Ouais, forcément, si je le cache, je obtiens ceci. Attendez. Ah. Ah, ça veut pas. Bon. Bah, heureusement que je l'ai pas fait, tu vois. Heureusement que je l'ai pas fait. Parce que sinon, j'aurais été un petit peu dans la merde. Parce qu'il veut. En fait, il veut pas avoir de l'énergie. Je sais pas comment il fait pour avoir de l'énergie, Tech Reborn. À mon avis, il lui faut son énergie propre à lui. Pourtant qu'il... Ah, c'est du RF! Oh! C'est du RF, lui! Oh, bah ça m'arrange! Et ça m'arrange plutôt bien, ouais, on va dire ça. Ça m'arrange plutôt bien. Oh! C'est bon, j'ai trouvé mon bonheur, moi. Ouais, j'ai trouvé mon bonheur. Eh ben, on va se le faire quand même. Hein? On va se le faire quand même, parce que si c'est du RF, ça manque de table de craft ici. Hop. Je vais en faire une. Hop, voilà. Voilà. Donc, du coup, c'est un extractor. En fait, il faut juste voir dessus. C'est marqué RF. Moi, je suis un teubé, hein, parce que j'ai vu comme lui, en fait. Je cherchais pas. En plus, c'était marqué 8RF, mais moi, je capte autrement. Bah, du coup, il me faut du bois. Et il me faut des sticks. Oh, bah, juste un seul, ça suffit. 1, 2, 3, 4. 4 Tree Trap version. Tech Reborn. Il me faut un simple circuit de lambda. Il me faut du copper. Voilà. Il me faut des câbles. J'en ai 9. Il me manque juste un. En fait, il me manque juste un. Juste un bridou. Oui, logique. Pas de placement de produit, rien du tout. Hein. Normal. Même s'ils sont très bons, hein, il faut dire ce qu'il y a. Hop, merci. Attends-moi! Hop. Alors, depuis tout à l'heure, je suis en train de record un épisode ultra long. Hein. Je suis en train de le remarquer. Mais je pense à vous. C'est surtout ça. On va le foutre là, tiens. Alors. L'épisode, je vais le passer en deux parties. Ouais. Je vais faire la première partie que j'ai faite, qui a duré 10-15 minutes, ce genre de choses. Et je vais faire cet épisode qui est plus long. Ouais. Ça pourrait être pas mal. Alors, du coup, il m'en faut 6. Voilà. Hop. Donc, il me faut là. Ah. Alors, le truc, ça peut venir de ça en fait. Voilà. Output, input. Ouais, mais du coup, c'est des RF, mais il veut pas. Comment je peux faire? Parce que. Ouais, je peux même passer le bois que je veux en fait. Pourquoi Tech Reborn? Pourquoi?
Putain, on a même un solar panel. Oh, ça a l'air tellement chaud du slip. D'accord, une batterie qui est du tin de base. Ouais. Parce que je... Bad box. Putain, elle est complètement buggée l'interface. U transfert, ok, height. Tu, pouf, ok. Ah, il y a bien un truc qui me... Damage entity, ok, c'est de tech reborn. Quand vous n'êtes pas isolé, en fait, vous prenez des dégâts. Très bien. Oh, ça peut être pratique, tiens. Une nuque, lol. Bon, c'est un peu dommage. Missing debug tools. Ouais. Upgrade, transform, energy storage. Ouais, bah ça je connais. Bon, bah du coup, je ne sais pas pourquoi ça veut pas. Est-ce qu'il lui faut hein, une énergie? Pourtant, c'est bien du RF. Hein. Alors, je vais récupérer ça. Extractor. Bah franchement je ne sais pas pourquoi ça veut pas. Oui forcément tout type de machin drop ça. C'est du RF hein donc ouais bah je ne sais pas du coup. Dites-moi ce que si vous le savez vous, parce que attendez, je vais essayer avec un autre truc. Conduite, énergie conduite, passer le minimum. Est-ce qu'il me faudrait une wrench? Attendez, on va prendre celle-là. Ouais, bah... Tech Reborn, y a pas une truc de Tech Reborn des fois que... Ah si, la vraie de Tech Reborn, justement. Ok. C'est que du bronze. Ah oui, très bien. Ok, bon bah. Bon bah tant pis. Pour ceux qui le savent, hein, ça m'arrangerait. Voilà. Bon allez. Moi sur ce, je vais vous laisser du coup. Je vais continuer un petit peu ça tranquillou. Je vais mettre quelques machines supérieures. Ouais. Etc. Et puis du coup, je vous donnerai rendez-vous pour la prochaine. D'ailleurs, en parlant de Netherrick, oui! Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Je vais faire des Metal Formers, je vais faire tout ça tranquillou. Ça va prendre un peu plus de temps, mais c'est pas trop grave. Metal Former, en fait, il va faire en sorte que si je lui demande de faire du câble, partir d'un lingot, je vais en avoir 6 au lieu d'en avoir que 2. Voilà. Donc. Voilà. Allez, sur ce, bisous tout le monde et merci, bisous. Et ciao. Voilà. Bisous.